On est exactement au centre du Canada et là, je m'en vais vivre une journée mémorable. Écoute, ça va être tellement hot comme journée, mes amis, que je vais même rajouter une heure. Ok, je pars vers Regina, là. Puis là, on s'en va au grand rassemblement jeunesse Gaillardise. Libérez l'animal! Entends-tu le son des tambours qui résonne dans mon cœur nuit et jour? La broquerie, nous voici! Moi et Renaud, aujourd'hui, on donne des ateliers pour les jeunes. Oui, des ateliers de cinéastes. Fait que là... Ça y est, ça commence. On a rassemblé tout le monde maintenant, on se trouve un cri d'équipe. Wouhou! En plein tournage avec les jeunes et on m'a toujours posé la question, Jim Chab, il faut que tu formes la relève, Manitoben. C'est ce que je suis en train de faire justement avec mon chum, JP. Comment t'as pris cette expérience? Oh, c'est tellement fun, c'est pas croyable. C'est comme, tu vois la nouvelle, c'est personne qui donne un reportage, puis là c'est moi qui le fais. C'est comme, expérience inoubliable. Yes, t'es le nouveau Jim Chab, le prochain animateur en vol. Yes. Rock'n'roll! Yeah! Voilà, on est dans les coulisses d'un tournage avec les jeunes de partout à travers le Manitoba. Et là, il y a un peu trop de caméramans, il y avait 4 caméramans sur le tournage. C'est que justement, on a Gabriel Touga de l'émission Chacun sa route, qui prépare un reportage avec Justin Johnson. Yeah! C'est lui la vraie ça. Célébrité. It's non, that guy. Non, non, non. Le président, nouveau président de la FJCF. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait. Bon, on vous donne accès trop privilégié au soundcheck de Rafi. On est sur scène. Check 1. Rock and roll. Check 3. Check. Ton show commence. On arrive à la broquerie puis on arrive pile. Je vais arriver juste à l'heure pour commencer mon show. Ça donne l'adrénaline. J'ai tout juste arrivé. Il y a Jim Chab qui me filme là. Ma voiture est à peine parquée. Et là, oui, c'est ça. C'est la fin de la journée. Aujourd'hui, c'était Gaillardise à la brise. Le grand rassemblement 2016 organisé par le CJP. C'était une journée. Hey, je cours encore, je suis essoufflé. Merci d'être à l'écoute de Envol 91 FM. C'est le show du tour qui commence et moi. Oh my god! Jérémy Brémaud! Mon pilote pour la route vers Regina. Oui. Hey, je me disais en début de journée, je me suis dit j'aurais jamais le temps de tout faire en 24 heures. Mais ça donne bien parce qu'aujourd'hui, il y a 25 heures de journée. C'est bien vrai. Bon, Jérémy, on se part un petit carpool avec une chanson que tu connais très bien. Ok. The city burns with hate. Hurry up to the next gate. Écoute, je comprends pas ce que tu dis. Tu comprends qu'est-ce que je dis? Ça prendrait une traduction. Sonne the alarm. Sonne l'alarme. Sonne l'alarme! Sonne l'alarme! Ok, ok. On l'a fait traduite. On a traduit? Ok. On l'a traduit en chantant, ok? Ok, on peut essayer. Alors, étant donné que moi je suis pas bon en anglais, on va traduire sa chanson. C'est okay. Bon? Ça c'est simple, ça c'est des ou. Des ou, je pense que c'est pas mal universel ça. Ne laisse pas aller. Ne laisse pas tomber. Ici, c'est un peu. Ok. Ici, ça se traduit pas. Je viens de comprendre pourquoi t'as écrit en anglais. Oui, on est live au restaurant et t'as pris un pain de sésame. Et en anglais, ça donne quoi? Sésame. Jérémy, on a tellement une journée de la bombe là, que Dieu a décidé de me donner une heure de plus. Santé! Ouais. Oui. Houston, we got a problem. Les conversations dans la Jim Chab Mobile sont trop intéressantes. Et on vient de se rendre compte, dans un char qu'on se fait prêter, qu'on n'a plus d'essence. Oh my god, Jérémy, c'est capoté là. Aïe 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 aïe. La prochaine station d'essence est dans 1 km. Est-ce qu'on va se rendre? Est-ce qu'on va se rendre? Parce que ça fait peut-être longtemps qu'on n'a plus d'essence. Fuck, est-ce que tu ralentis là? Oui, c'est dans ici. Est-ce que t'es ralenti pour vrai? Ok, je pensais que c'était le char qui arrêtait. Je pensais que c'était le char qui arrêtait, man. Alors, on est rendu à envisager l'option de cogner une porte. Oh mon dieu. Et... Je disais 1 000 par contre. Juste là. Est-ce ouverte? Est-ce ouverte? On espère tellement que la station est... Ah!
Et ça s'annonce pas bien, ça s'annonce pas bien, mes amis. Holy shit. Holy crap, non! Non, la station est fermée, mes amis. La station d'essence est fermée. Jérémy, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir si on peut voler de l'essence. Oh my! Man, si cette station-service ne marche pas, on est dans la merde. On vient de mourir. Ah ouais, un autre gros problème, Jérémy, c'est que on ne sait pas comment ouvrir la tank. Non, on ne sait pas. Man, Jérémy, on s'est fait passer un char, puis on ne sait pas comment ouvrir la tank. Ah ouais, c'était quoi l'idée d'embarquer dans un char prêté? Veux-tu texter Nat? Pour lui demander quoi? Pour lui demander comment on ouvre la tank? Oui. Oh man, elle est en dessous du tapis! Oh man! Pis c'est écrit close will return at 9. Oh, A-M. Jérémy, qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot fermé? Une petite goutte. Jérémy, la station d'essence est fermée, ça marche pas les bidons. Plan B, c'est on fait du pouce et on va chercher une tank d'essence. Oh my god! Nous voilà le SO! Après un détour de 5 km, nous nous retrouvons enfin. Enfin! Et es-tu ouverte? Oui. Eureka! C'était proche. Très proche. Trop proche. Et c'est elle qui nous a passé la voiture. Oui. Et on te la ramène saine et sauve. On pense. Good. Et la prochaine fois que vous avez une journée de 25 heures, ne bousillez pas votre heure. Salut les amis. Ha 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 ha!